Bonsoir à tous. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous rendons gloire à Allah, à le très miséricordieux qui a permis que nous soyons, vous aussi bien que moi, présents en ce jour pour pouvoir partager ces quelques réflexions. Et je n'en doute point sur une bénédiction, une contribution, aussi bien pour vous que pour moi. Que toute la gloire revienne au Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, maître du temps, maître du destin, maître de la création. Il n'a point d'autre Dieu en dehors de Allah, il demeure le seul et unique. Merci au Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Nous rendons aussi gloire à notre manière, à nos présidents dans le Liptako Gourmand, les présidents des trois transitions des États de l'Alliance du Sahel, le président Assimi Goïta, le président capitaine Traoré Ibrahim, le président général Abdrahmane Tiani. Nous ne pouvons pas seulement que rendre hommage à nos présidents,
sans pour autant remercier. Les trois peuples les plus résilients sur la planète Terre. Les peuples du Liptako-Gourma, merci pour votre résilience. Il s'agit du peuple souverain du Mali, du peuple souverain du Burkina Faso, du peuple souverain du Niger. Ceux-là qui accompagnent aujourd'hui nos présidents dans ces phases critiques et déterminantes de notre histoire. Merci à Awa Diabaté, celle qui fait honneur aux États de l'Alliance. J'incite ma sœur Awa à programmer, si nécessaire, si utile, pourquoi pas, des prestations au Burkina, au Niger et au Mali. J'invite Awa à rendre visite à nos trois présidents. Parce qu'elle est la seule artiste digne de ce nom à la date d'aujourd'hui qui fait la fierté de nos États. Je ne parle pas des artistes businessmen, ceux qui font, ceux qui aiment se faire voir là, qui aiment crier partout ici, qui donnent des noms à ces fleurs, mes moutons par-ci, mes cabris par-là, mes poulets ici. Tout, chacun a donné un nom. Vraiment, moi je ne sais pas. Hein. On dirait que nous, les hommes, là, on n'a plus de dignité, quoi. C'est-à-dire, les artistes nous donnent des noms. Celle-même qui respecte, c'est José. Celle-là, je l'apprécie beaucoup. Sérédie, tu es une belle femme. Faut bien l'attraper. Elle dit mes amours. Au moins, elle les respecte. Mais les autres, là. Mes kabakourou. Mes chaussures, mes tapettes. Venez crier, oh, quand je sors. Mais l'argent est quand même là. Vous ne voyez pas 5 francs dedans. Mais vous criez souvent, oh, vous êtes prêt à mourir pour elle. Mais vous n'êtes pas prêt à mourir pour votre pays. Vous n'êtes pas prêt à mourir pour Dieu. Mais vous êtes prêt à mourir pour quelqu'un qui est ancien spermatozoïde des futurs cadavres. Alors, ça fait pitié. Que Dieu nous aide. Que Dieu ouvre encore l'esprit des gens. Ressaisissez-vous. Vous les hauts, vous qui suivez les hauts. Ressaisissez-vous. S'il y a une artiste qui mérite respect, considération, c'est Awa Diabaté. Mais, on vient de commencer, hein, les gars. Donc, maximum de partage, pomper les cœurs, et puis inviter. On a commencé comme ça. Je commence ce direct avec deux notes de satisfaction. Parce que quand vous menez un combat et que à l'international, vous arrivez même à changer les mentalités, alors là, le seul sur la planète Terre, né d'un homme et d'une femme, Cheikh Mar Keïta, qui amène même les journalistes occidentaux à revisiter leur vocabulaire. Le seul sur la planète Terre, il s'appelle Cheikh Mar Keïta. Je m'en vante, soyez fiers pour moi. Soyez heureux. Celui qui a mené le combat sur la terminologie normalie. Celui qui a mené ce combat est aujourd'hui. Tout le monde est en train de revisiter son vocabulaire. On ne dit plus Nord Mali, mais Nord du Mali. C'est pourquoi on a dit, toutes les femmes ne peuvent pas mettre un Cheikh Mar Keïta au monde. Elles sont rares. Les femmes à qui Dieu fait cette faveur. Et Dieu a fait cette faveur à ma mère et je rends gloire à Dieu pour cela. Le seul qui a mené ce combat, pendant qu'on disait, il disait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Je vais vous donner la preuve tout à l'heure. En Europe, on ne dit plus le Nord Mali, mais le Nord du Mali. Première victoire. J'ai dit, je ne verrai pas toutes les victoires, mais il y a des victoires significatives que Dieu permettra que je vois. Et Dieu a permis. Aujourd'hui, on ne dit plus Nord Mali, mais le Nord du Mali. Parce que j'ai fait une démonstration. J'ai donné un cours sur le concept et la notion, la différenciation entre Nord Mali et Nord du Mali. Allez-y, écoutez.
Peut-être que vous écoutez, mais vous ne faites pas attention. Quand vous menez un combat et que le petit blanc lui-même change sa façon de voir les choses, Dieu vous dit, attention, arrête-toi là, tu n'es pas comme n'importe qui, il ne faut pas passer comme ça. Attention, Keïta, tu as mené ce combat, je t'ai amené à mener ce combat, écoute bien ce que le petit blanc dit, Keïta. J'ai dit, waouh, waouh, on ne dit plus Nord Mali, Nord du Mali. Allez-y écouter RFI, allez-y écouter TV5, allez-y écouter France 24. C'est eux qui disent Nord Mali. J'ai dit, c'est faux. Ce n'est pas Nord du Mali, mais et Nord Mali, mais le Nord du Mali. Il est bon que quand vous menez un combat et que Dieu vous donne la victoire, parce que ce n'est pas votre force, c'est lui qui vous a inspiré. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un sur cette terre des hommes dit qu'il donne document à Keïta, comme mon jeune frère Chris Yapi qui prend des risques pour mener ses enquêtes, Keïta ne prend aucun risque parce qu'il est inspiré de la divinité. Et cette divinité n'a point d'égal. Et cette divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je le dis, je m'en vante, vous croyez que c'est pour me donner un titre ou c'est pour me faire plaire à quelqu'un? Si c'est pour me plaire, ici, c'est pas votre place. Je dis ça toujours. Si c'est pour me plaire, là, c'est pas votre place. Mais si vous êtes venu pour recevoir, pour écouter, pour un temps soit peu élever le concept de l'intellect, alors c'est votre place. Excusez-moi, je vous fais peut-être, je vais vous amener à écouter un tout petit peu. Hein, et ce n'est pas tout. J'ai dit, je vous fais écouter. Yeah. Et puis, l'ORTM, j'ai frappé, frappé, et l'ORTM, la semaine dernière et cette semaine, merci pour les ballons, l'ORTM a changé. L'ORTM a fait un débat sur la mort de Hugo, le fameux terroriste dont le prix était à près de 3 milliards ou 4 milliards de nos francs. L'ORTM, après avoir été acculé, le ministre de la Défense, après avoir été interpellé, et j'ai demandé au président, pourquoi ne pas supprimer le poste de ministre de la Communication? Si on a un ministre de la Communication, c'est que ce ministère-là peut-être est un ministère budgétivore. Il y a un budget pour un ministère dont on ne voit mais rien. Alors pourquoi garder un tel ministère? Leur thème a commencé à se... Vous savez, c'est ça qui est malheureux chez nous en Afrique. Il faut mettre le feu sur le dos de la tortue pour que la tortue sorte sa tête et puis marche. Mais est-ce que Keïta a besoin de dire à leur thème ce que vous devez faire? Est-ce que Keïta a besoin de dire au président Assimi Goïta de supprimer le ministère de la Communication? Mais vous êtes payé pour un travail. Faites votre travail. C'est tout. C'est tout. Hein? Vous n'avez qu'à regarder leur team. Ce n'est pas tout. J'ai dit, j'ai mal. Comment on a un ministère de la Communication? On a une radio nationale, une télévision nationale, et on a des petits plaisantins qui se disent politiciens, qui manquent de respect à nos forces armées. Il a fallu que j'interpelle pour dire quel genre de moralité avons-nous. La femme qui regarde son mari sortir n'est même pas certaine s'il va revenir en vie. La femme enceinte dont l'enfant ne verra même pas son papa, parce qu'il a porté les armes pour se battre pour la République. La petite fille qui sera un jour épouse de quelqu'un n'est même pas sûre si son père assistera à son mariage. Et on a des indignes hommes appelés politiciens qui manquent de respect à nos militaires. Et on ne voit pas le combat de l'ORTM à part cette émission, émission citoyenne. Il a fallu que je parle pour que les choses changent, pour que les données changent. C'est maintenant que l'ORTM, attention, j'ai tout ça ici avec moi, je ne parle pas pour rien. Il a fallu cela pour que l'ORTM fasse une émission avec un petit truc là sur nos soldats, sur nos militaires.
Est-ce que j'ai besoin, moi, de me battre pour voir ça? C'est là que vous vous rendez compte que Keïta est une force tranquille de la communication. Et quand il dit demain, si le ministre de la communication, ce n'est pas ces gens de plaisanterie que vous allez voir. Demain, je suis ministre de la communication. Mon premier travail, c'est d'appeler le ministre, le directeur de l'ORTM. Présente-moi un nouveau programme, une nouvelle grille. Dans les 48 heures, sinon tu me rends ta démission. Une grille qui prend en compte et qui tient compte de la situation sécuritaire du combat que nous menons. Présente-moi une grille documentée et puis sinon tu rends ta démission. Voilà le premier travail que fera Keïta s'il est ministre de la communication. Le deuxième travail, c'est de créer une synergie communicationnelle entre tous les départements ministériels et faire en sorte que l'information quitte au sommet pour arriver au peuple. Mais quand nos ministres viennent, appelez notre ministre actuel de la communication là, demandez-lui s'il a un programme, s'il a un chronogramme. Demandez-lui le programme de l'ORTM, mais je suis même pas certain si le ministre me maîtrise ça. Mais c'est la réalité. Quand vous êtes ministre, toutes les structures étatiques rattachées à votre ministère, vous devez les connaître. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, vous interpellez le directeur, il ne change pas, vous allez le démettre de ses fonctions avec un rapport présenté au président en conseil des ministres. C'est tout. Vous ne perdez pas le temps. Vous êtes là pour un résultat. S'il n'y a pas de résultat, vous aussi vous démissionnez ou vous dégagez, quel que soit le ministère impliqué. C'est ça le combat de Keïta. Il n'a rien contre quelqu'un. Et d'ici demain, il est ministre de la communication par la volonté de Allah. Wallahi billahi, l'Afrique va se dire, mais on ne savait pas que le ministère de la communication, c'était comme ça. Dans notre vie, ça tient là. Et on s'est amusé avec, on n'a jamais compris. Ah, on voit pourquoi les blancs dépensent des centaines de millions de dollars et d'euros. Ah, le Mali a bien compris. Mais les gens s'amusent toujours, même le ministre qui est là, je ne lui manque pas de respect, mais je ne crois pas qu'il maîtrise même le domaine de la communication. Même s'il a un PhD en communication, pour moi, ça ne signifie pas grand-chose, tant que dans la pratique, cela n'est pas visible. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Prenez le cas d'Alassane Ouattara qui prétend être un économiste avec un PhD. Et regardez ce qu'il fait. Regardez ce que Ouattara fait. Regardez la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a un PhD en économie et puis regardez la vie misérable des Ivoiriens. Un président qui ne contrôle rien. Une société d'électricité qui veut étouffer les Ivoiriens et il n'est au courant de rien. Mais la société, là, quand elle surfacture les Ivoiriens, c'est parce qu'on lui a demandé de payer des milliards d'impôts alors que son chiffre d'affaires n'atteint pas, au lieu de payer des impôts qu'elle ne peut pas atteindre. Donc, elle est obligée de se rattraper sur les Ivoiriens. Donc, la deuxième satisfaction de Keïta, c'est de voir que l'ORTM, mais c'est un changement timide, ce n'est pas encore ça, monsieur le ministre. Monsieur le directeur de l'ORTM, votre problème, rendez votre démission, c'est mieux. Parce que vous n'en valez pas vraiment la peine. Moi, je ne sais pas comment on vous maintient encore. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, au nom de Dieu, je prends le courage, je juge. Je ne sais pas pourquoi le directeur de l'ORTM, il est encore là-bas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il fait quelque chose d'autre que les autres Maliens voient, mais peut-être que moi, je ne vois pas. On va revenir. Ça, c'est pas un problème. Alors, on va revenir d'abord ici. Quand je vous ai dit que on va écouter un peu ça, pourquoi? Et puis, attendez, on va écouter ici d'abord. On va revenir. Bienvenue dans votre grand rendez-vous d'information, le 64 minutes sur Télé 5 Monde. On va écouter. Au sommaire de cette édition, la Belgique. Le centre parviendra-t-il à jouer les arbitres lors des élections européennes? Elles se dérouleront du 6 au 9 juin. Maxime Prévost. Ça, c'est pas trop notre problème. On va écouter ici d'abord. Et puis en Belgique, le Premier ministre De Croo reconnaît officiellement.
Attendez, moi, il y a une partie seulement qui m'intéresse. Activités reprennent peu à peu, mais les écoles restent fermées. Voilà. Aucun incident majeur n'est signalé depuis ce matin, mais des militaires restent positionnés aux différents Ça, c'est au ronds-points de la Tchad, hein. capitale, ainsi qu'aux entrées et aux sorties de la ville. Ils sont Quand j'avais dit que les élections tchadiennes, à quelques mois de ces élections, il y a un petit minable tchadien qui croit qu'il connaît quelque chose, cette vermine-là. Voilà la réalité. J'ai dit que le Tchad est assis sur une bombe à retardement. Les Américains soutiennent Success Masra. Les Français, vous croyez que quand le petit Diby sort, vous croyez que s'il n'est pas adoubé par la France, s'il n'est pas soutenu par la France, demain matin, on va le liquider comme ils ont liquidé son papa. Vous croyez que la politique, là, c'est un jeu de subtilité. Et le petit, là, cette petite simagrée qu'il fait, là, moi, Cheikh Marketa, ça ne m'ébranle pas. Moi, Keita, Cheikh Marketa, je reste serein. Ce petit-là, c'est un agent de la France. Le petit Diby. Qui a demandé à Diby de modifier la constitution pour être candidat? Mais avant même que les plus grands constitutionnalistes dans le monde, avant même que la métropole, avant même que le maître colon, l'impérialiste, le néo-impérialisme demande à Diby Kaka de modifier la constitution, la première personne qui est sortie pour dire qu'Assimi Goïta peut être candidat, au regard de la, même il y a des soutiens d'Assimi qui hésitaient de dire qu'il peut être candidat. J'étais le seul au début. Je n'ai pas dit que je suis resté seul, non. Le tout premier a dit au regard, avant même que la Constitution ne soit votée, promulguée, avant même qu'on entre dans la 4e République, j'ai dit que le président Assimi Goïta, au regard des nouvelles dispositions constitutionnelles, est bel et bien candidat. Je l'ai dit. Et quand la France a demandé à Diby Kaka de modifier la Constitution pour qu'il soit candidat, j'ai dit voilà. Ils viennent de donner raison à Keïta. Et cette intervention de Keïta existe. Les réseaux là n'effacent pas vos interventions. Vous pouvez aller prendre. Et aujourd'hui, c'est au regard de tout ce qu'on lui a dit qu'il s'est présenté comme candidat. Parce que quand il venait au pouvoir, il a dit, je ne serai pas candidat. Eux tous. C'est pourquoi nous disons, dès l'instant où les Américains ont adoubé avec leur hypocrisie, les Français, les Européens ont adoubé avec leur mensonge et leur malhonnêteté, la candidature du petit Diby, personne au monde, même pas Alassane Ouattara dans son pire sommeil, viendra dire à un président de l'AES, vous ne pouvez pas. Quand je dis, l'AES fait trembler le monde, voilà un élément, gardez ça à l'esprit. Comment l'AES fait trembler le monde? Et je vous ai dit que la grande géopolitique, la nouvelle orientation, le bipolarisme du monde va se dessiner à partir du Sahel et puis s'étendre comme une toile d'araignée sur le monde. La toile d'araignée va commencer à être tissée dans le Sahel et puis prendre le monde. N'oubliez pas, on va encore revenir sur le Bénin. Sur le Bénin. Et puis cette affaire de pétrole-là. Quand Keïta parle, je vous en prie. Quand Keïta dit, je vous en prie. Quand Keïta interpelle, je vous en prie. Quand Keïta dit, il est inspiré par le Très-Haut, je vous en prie. Haïssez-le, détestez-le, mais faites attention. Si ce qu'il dit est réellement ce qu'il dit, alors vous êtes sur le point d'être humilié si vous voulez l'attaquer sur la base du mensonge. Faites très attention. Employé de façon préventive et dissuasive, me disait le ministre de la Sécurité publique tout à l'heure. Des personnes ont été blessées dans la nuit par des balles perdues, victimes de tirs en l'air. Manifestation de joie à l'annonce de la victoire de Mahamat Idriss Déby, perçue dans les quartiers réputés favorables à l'opposition comme des actes d'intimidation. Malheureusement, toujours aucun bilan officiel n'est disponible à ce stade. La balle est donc maintenant dans le camp des candidats qui ont encore 4 jours pour déposer un recours au conseil, pardon, constitutionnel qui aura ensuite 10 jours pour trancher en cas de contentieux ou pour proclamer les résultats définitifs s'il estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité.
Et si les résultats proclamés sont validés par la Cour constitutionnelle, c'est donc un fils Déby qui restera la tête du Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir après la mort de son père en avril 2021, retour sur son parcours. Ça là, c'est pas trop quelque chose. C'est par l'opposition qui condamne avec fermeté le coup d'état pas... institutionnel opéré par les généraux après la mort du président de la République, Idriss Déby Itno. Ça, c'est pas mon problème. Toute dévolution. Ça, c'est des comédiens, c'est pas ça. Hein? Il y a un élément clé, une seule phrase dont on a besoin. Donc, prêtez l'oreille attentive à ce qu'ils disent. De pouvoir au Tchad. Le mandat de Mahamat Idriss Déby à la tête du Conseil de transition doit durer 18 mois. Mais en 2022, il le prolonge de 2 ans, ce qui provoque des manifestations meurtrières dans plusieurs villes du pays. La nouvelle constitution, adoptée par référendum le 17 décembre dernier, l'autorise à être candidat à l'élection présidentielle. Attendez, hein? Est-ce que vous avez entendu la commentatrice de TV5 Monde? La nouvelle constitution l'autorise. La nouvelle constitution l'autorise. La nouvelle constitution l'autorise. Élément révélateur. Mais pourquoi il y a cette réforme constitutionnelle? Assimi Goïta n'a pas changé la constitution dans le but de se maintenir au pouvoir. Non. Le changement de la constitution est la volonté légitime et souveraine du peuple malien. C'est l'émanation de la volonté souveraine. C'est une résolution, c'est une demande des assises nationales de la refondation. Donc, ce n'est pas la volonté d'Assimi Goïta, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais c'est la volonté du peuple malien qui a demandé que la constitution soit modifiée. Maintenant, la question de laïcité ou pas, moi je m'en fous, je rentre pas dans ce faux débat-là. Parce que ceux-mêmes qui mènent ce combat-là, allez-y dans leur maison, allez-y chez eux, allez les regarder comment ils vivent leur relation avec Dieu. Ils ont pratiquement, eux tous, des enfants pervers. Si les enfants ne sont pas homosexuels, femmes ou garçons, ils sont prostitués d'une manière ou d'une autre. Toi, ben, tu te bats, tu veux pas, mais ta fille, là, quand toi tu dis tu sors, tu vas à la mosquée à 5h du matin, là, c'est là que ta fille rentre à la maison. Tu quittes la mosquée, tu viens à 10h, tu envoies sa maman lui demander l'argent des popotes. Et c'est toi qui te bats, tu dis que tu n'es pas d'accord avec la laïcité. Hein? Il faut régler ton rapport d'abord avec Dieu, avant de parler de la laïcité. Dieu peut se défendre lui-même, il n'a pas besoin de quelqu'un pour faire son palabre. Mais toi, tu as un sérieux problème. Tu as ta propre famille, tu n'arrives pas à gérer. Et toi, tu veux mettre ta bouche dans le feu. C'est ça la réalité avec certaines personnes. On va écouter toujours. Présidentielle. Après 3 ans à la tête du pays, le jeune général président cherche désormais à légitimer son pouvoir dans les urnes et se lance dans la course. Moi, Mahamat Idriss Déby, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. Sa candidature divise et la course à la présidentielle ne se passe pas sans soubresaut. En février cette année, son cousin et farouche opposant, Yahya Diallo Djerou, est tué par les militaires lors de l'assaut du siège de son parti, le PSF. Une mort qualifiée d'assassinat par ses partisans. Dans l'opposition, certains appellent au boycott du scrutin présidentiel. D'autres se portent candidats, comme Succès Masra, chef des transformateurs, parti en exil après les manifestations de 2022. En novembre dernier, Mahamat Idriss Déby lui a tendu la main et même allé jusqu'à le nommer premier ministre du gouvernement de transition. Bon, maintenant... Au Proche-Orient, les 2 jours de rencontre au Caire... Là où je voudrais maintenant, vous avez entendu ce qui s'est passé au Tchad. Et jusque-là, il y a une sorte d'observation qui est là. Bon, est-ce que le monsieur, il a déposé un recours? Je ne sais pas. Mais nous avons averti parce qu'on savait que c'était une mascarade d'élection. Oui, les gens, ils disent que quand on était, j'ai eu une amie, Déby, qui est au Cameroun, elle travaille avec la télévision panafricaine, qui est une nouvelle chaîne qui a été créée. Elle dit qu'elle allait faire la couverture de l'élection présidentielle au Tchad. Et que franchement, ça s'est déroulé dans les meilleures conditions. Elle m'a envoyé un message, je crois. Un truc comme ça s'est passé dans les meilleures conditions.
Et puis c'était bon, moi, elle est partie, moi je suis pas allé. Elle était sur le terrain, je n'étais pas sur le terrain, donc elle avait une meilleure appréciation de la situation au Tchad que moi. Ça, c'est l'observation par rapport à l'organisation des élections. Voilà, donc faut pas recevoir qu'on parle, les gens mélangent tout. Ça, c'est l'observation qu'elle a faite par rapport aux élections. Elle dit ça s'est très bien passé. Et puis, bon, bah, c'est ce qui explique un peu son absence sur le plateau au niveau du Cameroun. Maintenant, on va écouter ici. Là où je vous amène à écouter ceci. Pour pas abouti, jeudi, Israël et le Hamas ont quitté la table des négociations. Pour l'instant, pas de trêve en vue dans la bande de Gaza. Ce vendredi, des tirs d'artillerie continuaient de s'abattre sur Rafah. On regarde les images, elles sont commentées par Sophie Goldstein. Des explosions quasi incessantes ce matin à l'est et au nord-est de la ville de Rafah, pas loin de la zone dite humanitaire par Israël, où se sont réfugiées quelques 110 000 personnes. Dans la zone d'Al-Mawassi. D'intenses affrontements donc, combattants du Hamas et du djihad islamique d'une part, forces israéliennes de l'autre. Ça, c'est une petite parenthèse qui n'était pas prévue, mais je vais vous laisser écouter et puis on Selon va. l'agence Reuters, des blindés israéliens ont pris contrôle de la principale route séparant l'est de l'ouest de Rafah, de même source, encerclant de facto la partie est de la ville. Est-ce le début de l'offensive terrestre annoncée depuis des mois par Israël dans la ville du sud de l'enclave de Gaza? Jeudi, les discussions entre belligérants au Caire se sont terminées sans accord de trêve. La Maison-Blanche veut encore croire en un possible accord entre Hamas et Israël. Les discussions se poursuivent, a affirmé Matthew Miller dans la soirée. Nous continuons à parler avec le gouvernement israélien d'amendements à la proposition soumise par le Hamas plus tôt cette semaine. Nous continuons à travailler pour essayer de finaliser le texte et obtenir un accord. Vous avez entretenu un monstre, un criminel, un assassin, qui aujourd'hui se livre à la pire barbarie de notre histoire, ce que je peux qualifier de génocide de l'ère moderne, après le génocide d'Hitler. Si réellement il y a eu génocide, ça c'est, je ne m'engage pas à cela. Parce que j'ai pris le temps, je regardais un documentaire assez intéressant sur la mort d'Hitler, comment il s'est donné la mort et comment ils ont maintenu le flou sur sa fuite alors qu'il n'a jamais quitté la réalité Berlin. Je crois le 22 mai 1945, le 22, le 23, ça a commencé le 20, 21, 22, 23, 24 ou 25 mai. Les 5 jours, en tout cas les 5 derniers jours de la vie d'Hitler, j'ai eu le temps où c'était un documentaire assez exclusif, assez riche. Vous pouvez regarder si vous voulez. Hein? Vous pouvez mettre les derniers instants de Hitler, hein, dans le bunker à Berlin. Alors, vous savez, quand vous regardez, vous avez entretenu des criminels. Vous les avez mis au-dessus même de ce que je peux appeler la juridiction internationale. Israël aujourd'hui est devenu un monstre à tel point que Benjamin Netanyahu, il a dit il n'y a pas longtemps, Israel going to stand alone. Ça veut dire, Israël va s'arrêter seul, sera debout seul et va mener son combat seul. Israël n'a pas besoin de quelqu'un. Alors, imaginez un peu, how can we consider? Donc pour lui, Israël est suffisamment fort aujourd'hui pour pouvoir mener. Et moi, ça me rappelle des passages, aussi bien dans le Coran que dans la Bible, ça me rappelle un certain nombre de passages. Et même dans la Torah, parce que tout ça, ce sont des, je ne parle pas de la Bible falsifiée par les Romains, hein, je vous en prie, je parle de la Bible authentique. Hein, la Torah, la Bible authentique et puis le Coran. Dieu dit, quand il veut détruire celui qui se croit tellement fort et puissant, il vous amène ce qu'on appelle l'esprit de la confusion. Et l'esprit de la confusion vous amène à vous surestimer, à vous mettre à un niveau beaucoup trop élevé. Il dit, au moment où vous croyez que vous êtes posé bien fort, c'est là que lui Dieu,
il vous montre qui est votre créateur. Israël, est-ce que Israël a lu réellement les paroles prophétiques, la prophétie? Est-ce que Israël, les dirigeants israéliens, est-ce qu'ils connaissent réellement la Torah de Moïse? Est-ce qu'ils connaissent réellement le lien qu'il y avait entre Abraham et son créateur? Je ne crois pas. Parce que vous ne pouvez pas jurer détruire tout un peuple parce que parmi eux, il y a des rebelles. Est-ce que le Mali, ce que Israël a vécu, le Mali a vécu ça, je vous en prie. Vous croyez que je mens? Si vous le croyez, c'est que c'est pas votre place, vous vous êtes trompé. Déconnectez-vous et puis partez à vos occupations. Le coup d'état de Aya Sanogo, en 2012, que s'est-il passé? Après la chute et la mort tragique de Muammar Kadhafi, que s'est-il passé? La Mauritanie, l'Algérie, la DGSE, le renseignement français, voilà les trois entités qui ont travaillé, et le Niger. À l'époque, je crois que c'était Ousmane Oumiki, là, Maman Ousmane, je ne sais pas là, et pas le Niger du général, mais le Niger de Maman Ousmane, Maman Issoufou, je crois, un truc comme ça. Le Niger de Maman Issoufou, la Mauritanie, de l'ancien président mauritanien qui aujourd'hui est condamné, il est accusé, condamné par la justice mauritanienne, l'Algérie, la DGSE. Voilà ces entités, Mauritanie, Niger, Algérie, la France. Voilà les entités qui ont mis en place la déstabilisation dans le nord de notre pays. Le Niger, lorsque la famille de Muammar Kadhafi est arrivée avec le petit-fils, son dernier fils, et puis ses filles, quand ils sont arrivés, Muammar Issoufou les a accueillis au Niger, selon lui, à titre humanitaire. C'est après que le petit, il était devenu trop zélé, il dit, il sait pas ce que devenait son papa, il va aller voir son papa. Je crois qu'il est sorti, les gars l'ont arrêté, puis ils l'ont liquidé, je crois, son fruit. Et puis l'autre aussi, il a été, c'est là que son fils qu'il avait préparé pour sa succession, lui, là, il a échappé parce qu'on s'est dit que c'est lui qui détient toutes les informations de son papa. Où se trouve la fortune de son papa, où se trouvent des informations top secret, tout ça autre, là. Je crois qu'il y a un groupe qui l'a attrapé, il a été vendu par un autre, il a été jugé quelque part. Après, il y a une négociation, et puis ensuite, il allait à Dubaï. Aujourd'hui, parce qu'il a trop d'informations, il est plus utile vivant que mort. Alors, vous croyez réellement que ce sont les rebelles qui ont épargné la vie de Salif, son fils, là, Salif, et Bachili, tu es là, il faut qu'il écrive le nom du fils de Kadhafi, là. Salif Kadhafi, ou bien Saif Kadhafi, quelque chose comme ça, là, son fils, là. Ils ont coupé sa main. La seule chose, la seule douleur qu'il a, c'est ici, son petit doigt qu'ils ont coupé. C'est tout. Et quand ils ont coupé, ils ont bandé, et puis ils l'ont filmé, ils l'ont photographié avec. Ils disent, ils ont coupé sa main, et puis ils ont mis sur les réseaux. Ça, nous tous, on a vu. Le fils de Kadhafi. Mais est-ce que vous croyez réellement que ce sont les rebelles qui ont fait ça? Non. Ils ont coupé sa main parce que ce qu'ils voulaient faire de lui, on leur a dit, vous ne pouvez pas le faire. Libérez-le. Vendez-le, mais vous ne le touchez pas. On a plus besoin de lui. Il est plus utile pour nous que mort. C'est pas seulement les terroristes. C'est là que vous vous rendez compte que les terroristes dans notre pays, les terroristes dans le Sahel ne travaillent jamais seuls. Les terroristes, pour que la vie du fils de Kadhafi soit épargnée, le renseignement américain a travaillé dedans. Le renseignement français a travaillé dedans. Le renseignement algérien, nigérien, mauritien, tout son travail, parce qu'ils savent que l'enfant là, il est plus utile. Pour eux, ils peuvent exploiter certaines informations s'il est en vie. Et c'est ce qui a justifié le fait qu'il n'a pas été liquidé. Et c'est là que vous posez la question,
Est-ce que ces terroristes-là ne sont pas réellement manipulés? Est-ce que les terroristes ne reçoivent pas réellement des informations venant des services de renseignement des pays qui veulent nous déstabiliser? Est-ce que Assimi a eu tort? Est-ce que Choguel a eu tort? Est-ce que le général a eu tort? Est-ce que le capitaine a eu tort? Non. La vie de ce jeune homme-là, du fils de Kadhafi, doit interpeller chaque Africain. Réfléchissons. Mais, Israël, il y a eu une incursion en Israël. Le Hamas. Je crois le 7 octobre. Ils ont tué. Ils ont fait des prises d'otages. Au Mali. Quand les rebelles sont entrés, ils sont entrés avec les terroristes. Ils ont tué. Des morts atroces. Nos soldats, le Hamas n'a pas, le Hamas a fait des exécutions, c'est vrai. Ils ont commis des crimes, ça aussi c'est vrai. Mais quand vous regardez la manière dont les rebelles armés et les terroristes, regardez comment ils ont tué nos femmes, nos militaires. Je n'ose pas décrire les scènes parce que j'ai vu des scènes quand j'étais encore chez l'oncle Sam au State, Californie précisément. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu du mal à retenir mes larmes quand j'ai vu la manière dont nos soldats ont été liquidés. Combien de villes ils ont pris en même temps? Beaucoup. Ils ont pris tout le nord. Cela va vous permettre de comprendre cette histoire de terminologie nord Mali, nord du Mali. Alors, le Mali ne pouvait pas réagir. Mais je vous amène à écouter le discours du premier ministre burkinabé Apollinaire. Apollinaire a dit quoi? Il dit, un pays faible est une proie facile pour le néo-colonialisme, l'impérialisme et les déstabilisateurs de l'Occident. Un État faible, c'est pourquoi ils se sont toujours arrangés pour que nos forces armées n'aient pas certaines compétences, certaines formations, certains équipements pour relever le défi. Ils ont voulu toujours nous maintenir dans une toute petite position d'un petit confort sécuritaire. C'est-à-dire, le soldat, il est armé seulement pour aller chasser les voleurs. Le soldat, il est formé seulement pour aller chasser les souris, les cobayes. Mais il n'est pas formé pour les guerres de haute intensité. Pour les guerres avec des armements de dernière génération. Nos soldats ont été maintenus dans la domination et la captivité, faisant croire que nous suivons des formations, nous avons des équipements. Israël, après avoir été attaqué en octobre par le Hamas, a lancé une offensive de répression qui se poursuit jusqu'à la date d'aujourd'hui. Quand le Mali a été attaqué, est-ce que le Mali a pu lancer une offensive de répression? On nous a dit oui, on a écouté certains de nos officiers supérieurs de l'armée, le Mali était sur le point de reprendre, le Mali avait la main. Pourquoi le Mali n'est pas allé au bout de ses efforts? Parce que le déstabilisateur, le manipulateur, le voleur, le corrompu, le dominateur, l'impérialiste, il était là, la France, les États-Unis, l'Europe. Voilà pourquoi nous, on n'a pas... Et maintenant, et tous courent, ils viennent à notre secours. Formation militaire par-ci, heureux Cap Sahel, formation ici, formation par-là, présence ici. Mais pourquoi ils ne font pas ça avec le Hamas? Pourquoi ils ne font pas ça avec la Palestine? Et ils le font avec nous. Donc, est-ce que nous sommes mieux? Est-ce que nous sommes supérieurs au peuple palestinien? Pas du tout. Pourquoi ne sont-ils pas allés soutenir l'État de la Palestine? Ces enfants innocents, ces femmes innocentes, pourquoi ils ne le font pas? Et c'est chez nous ici qu'ils viennent dépenser des centaines de millions par jour. Pourquoi? Pour notre sécurité, c'est faux. Parce qu'ils nous aiment, c'est faux. Parce qu'ils veulent nous voir gagner cette guerre, c'est faux. Vous n'avez qu'à regarder l'Ukraine pour vous rendre compte. Regardez le soutien massif en matériel de guerre
et en moyens financiers que l'Occident octroie à l'Ukraine. Regardez la Palestine laissée à son propre compte, à son triste sort. Regardez le Sahel, on essaie de nous mettre les bâtons dans les roues quand nous menons des combats justes et nobles. On utilise les organisations des droits de l'homme pour essayer de nous manipuler. Et je vais juste dire que c'est incroyablement difficile. Washington est opposé à une opération majeure à Rafah qui mettrait en danger la vie des civils. Plus d'un million de personnes massées dans le sud de l'enclave de Gaza. L'administration Biden dit avoir présenté des alternatives au gouvernement israélien, déterminé à venir à bout des derniers bataillons du Hamas sur place. Pour la première fois depuis le début du conflit, les États-Unis ont également menacé d'arrêter les livraisons d'un certain type de bombes et d'obus d'artillerie si l'opération était lancée. Cela ne devrait pas affecter les niveaux de munitions disponibles pour une opération à Rafah, estime Yaakov Amidror, ancien conseiller du Premier ministre israélien. Mais à moyen et long terme, cela entraînerait des difficultés, reconnaît-il. S'il faut tenir seul, nous tiendrons seuls, assure pour sa part Benjamin Netanyahou dans une adresse aux Israéliens. Et l'armée israélienne a annoncé ce vendredi que 4 de ses soldats ont été tués lors de combats dans le nord de la bande de Gaza. Et puis sachez également que selon l'ONU, plus de 100 000 personnes ont déjà fui Rafah ces derniers jours. Le coordinateur principal des urgences de l'UNICEF dans la bande de Gaza qui indique également que plus de 14 000 enfants auraient déjà été tués dans ce conflit, c'est-à-dire depuis le 7 octobre. Et on retrouve notre éditorialiste Slimane Zeguido. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors ce vendredi, l'Assemblée générale de l'ONU tenait une session extraordinaire sur la crise dans la bande de Gaza. Il vient d'y avoir un vote. Oui, il s'agit de savoir si l'État de Palestine devrait être admis comme part à part entière à l'ONU ou pas. Et le résultat est éloquent. 143 pays se sont déclarés en faveur de l'intégration de l'État de Palestine à l'ONU comme membre à part entière. Il n'y a eu que 9 abstentions, dont celle des États-Unis et d'Israël, et 25 abstentions. Il y a 12 ans, quand l'État de Palestine avait été admis, avait été reconnu à l'ONU, le vote c'était 138 favorables, 9 défavorables comme aujourd'hui, mais 44 abstention. Donc on voit le progrès. Et cette question du conflit israélo-palestinien se révèle encore une fois être la pierre d'achoppement essentielle entre ce que nous appelons l'Occident et le Sud, et le Grand Sud. Mais Slimane, ce vote qui vient d'y avoir ce vendredi, quelle est sa portée exactement? Qu'est-ce que ça va changer pour l'autorité palestinienne? Alors ce qui change, c'est que l'ONU ne peut pas créer des États, mais elle peut admettre des États une fois qu'ils ont été reconnu par l'Assemblée des États qui compose la dite ONU. Donc si l'État de Palestine, qui est donc reconnu aujourd'hui par 143 États, c'est-à-dire les trois quarts des États de la planète, s'il est admis comme membre à part entière, le statut des territoires palestiniens ne sera plus des territoires palestiniens, ne seront plus des territoires en situation juridique indéterminée ou à négocier, mais il deviendra un État membre occupé par un autre pays. Donc Israël ne sera pas l'occupant de territoire au statut indéfini, mais l'occupant d'un pays de l'ONU souverain. C'est-à-dire le Israël passerait alors dans ce cas-là pour un État occupant d'un pays souverain, un peu comme... Mais là, vous voyez comment il joue avec les mots État occupant, État occupant, État occupant. Israël est un État voyou, un État terroriste. Vous avez entendu, 14 000 enfants depuis le 7 octobre, 14 000 enfants. Est-ce que la guerre veut dire que on doit tuer, sans retenir, sans réfléchir? On les a vus par rapport à Moura, ce montage grotesque de l'armée française. Ce pavané crié partout, mais regardez là. 14 000 enfants. Nous, on se bat pour notre survie, on se bat pour notre sécurité, on se bat pour notre stabilité, on se bat pour créer des États stables, forts et enviés par le monde. On est attaqué par des terroristes, soutenus par des pays mercenaires.
Et eux, à leur niveau, ils disent quoi? État occupant. Quelle est la disposition internationale? Quelle est la disposition juridique? Puisque si Israël est qualifié d'État occupant, la Palestine est reconnue comme un État de pleine souveraineté. Quelle est alors, dans ces conditions-là, les dispositions juridiques qui s'appliquent à la Palestine et à l'État d'Israël? On ne nous dit pas ça. C'est ça, le La mensonge. Russie occupant l'Ukraine. Et du coup, le statut et d'Israël et de la Palestine passerait à un niveau supérieur. C'est ma dernière question. Jeudi, 17 hauts responsables israéliens ont signé une tribune hein, dans le quotidien français Libération pour exhorter les États européens à reconnaître l'État de Palestine sans tarder. Pourquoi est-ce que l'Europe est aussi divisée? Qu'est-ce qui bloque? Alors, l'Europe est effectivement coupée presque en deux, puisqu'il y a 9 qui reconnaissent l'État de Palestine, 4 qui s'apprêtent à le reconnaître incessamment sous peu, mais ceux qui ne reconnaissent pas, ne reconnaissent pas l'admission à l'ONU, mais ils reconnaissent l'État de Palestine. Par exemple, la Tchéquie a voté et la Hongrie ont voté contre aujourd'hui, mais ils reconnaissent l'État de Palestine depuis 1988. Ce qui veut dire que l'Europe est divisée parce que beaucoup de pays européens ne peuvent pas prendre des décisions tant que les États-Unis n'ont pas donné le Ah, signal. Et c'est le cas des pays de l'Europe centrale. OK. merci à vous, Slimane Téguidou, éditorialiste à TV5 Monde. Merci, Slimane. Et le conflit au Proche-Orient s'est également invité à l'Eurovision en Suède. Et Ben Oh, Gurian, une non, artiste. attends, moi, c'est pas, non, c'est pas, il y a un élément que moi, Chaque année, depuis 2021, on arme annuellement 200 véhicules, initialement réservés pour les agents. je suis en train de voir, il faut que, Et maintenant, carrément, les Européens comme les Américains sont accusés. Attendez, c'est, je, il faut que, Heureusement, en Afrique du Sud, ces criminels sont. parce qu'il y a un élément important que je veux vous Edgar Dinwiddie-Ingels, la députée. Parce que là, Tout cette semaine dans Focus, nous allons parler d'une marque française de oh là baskets là, on éco-responsables. dirait que Déjà bon, présentant. si je retrouve pas, on va arrêter. Non, parce que on connaît bien l'Afrique de l'Ouest, Oh là là, on qui va serait pas. une usine de production panafricaine, du coup, pour laquelle on produirait pour nous et pour des acteurs aussi en local. Bon, c'est pas Petit, un problème, symboliquement. c'est pas un problème. Vous allez pouvoir retrouver ça. C'est tellement, je crois que je me suis mélangé un peu. L'élément, c'était par rapport au Niger, ok, par rapport au pétrole du Niger. Vous avez tous écouté l'intervention du Premier ministre. Vous avez tous écouté l'intervention du Premier ministre, Lamine Zen. Il a dit que dans un premier temps, eux, c'est que dans tous les cas, il y a deux options qui ont été avancées par le Niger. Premier élément. Sur le plan juridique, l'entreprise chinoise a le droit d'attaquer l'État du Bénin devant n'importe quelle juridiction compétente en la matière. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a, bon, voilà, il y a, attends, avant cela, il y a, quelqu'un m'avait envoyé une carte. J'espère que je peux retrouver la carte pour vous. Il y a un de mes followers au niveau du Niger qui m'a envoyé une carte juste après mon direct. Alors, juste après mon direct, il y a juste après mon direct, je crois que les Chinois ont décidé de les Chinois ont décidé de contourner le Niger. Non, pas le Niger, le Bénin. L'entreprise chinoise, le temps de revenir au Mali, l'entreprise chinoise a décidé de contourner le Bénin et je pense que les travaux vont prendre à peu près 14 mois. Je crois que la personne était tellement contente. Elle m'a envoyé, j'avais même le truc là, j'avais le plan quoi. Et je sais pas si la personne est connectée, mais je serais heureux. Bathily, je sais pas si toi tu as vu, si tu peux m'envoyer ça rapidement dans mon WhatsApp, ça me fait plaisir quoi. Sinon, quelqu'un m'a envoyé ça, j'allais vous juste vous présenter le plan. Mais avant le plan, je vais vous montrer ceci d'abord. Si j'ai pas le plan ici, c'est pas grave.
Je vous lis ceci d'abord. Alors, le ministre des Transports et de l'Équipement porte à la connaissance de l'ensemble des acteurs de la chaîne du transport international, chargeurs, transporteurs, armateurs, transitaires, assureurs, etc., que l'enlèvement du fret nigérien au port de Lomé et en tout lieu du territoire de la République togolaise est exclusivement réservé aux véhicules immatriculés au Niger et au Togo conformément à l'accord bilatéral de transport routier entre la République du Niger et la République sœur du Togo. Toutefois, en cas de forte demande et sur autorisation exceptionnelle du ministre des Transports et de l'Équipement, les véhicules immatriculés Burkina Faso et Mali et Ghana, n'est-ce pas, peuvent participer à l'enlèvement, n'est-ce pas, du dit fret. Voilà, le gouvernement du Niger attache au prix un strict respect des dispositions du présent communiqué. Alors, ça c'est le Niger. Donc nous, maintenant, le Togo est sollicité, si je ne m'abuse, avec le document que j'avais reçu, j'espérais retrouver. Ah, Dieu merci. Patrice Talon va lire le, voilà ce qui se prépare. Le pipeline sera dévié sur le port de Lomé, Togo, mais attendons voir Keïta, vous êtes un super génie. Ouais, c'est ce que la personne m'a envoyé, hein. Bon, voilà comment la chose va se faire, voilà le plan que je cherchais. Quand vous regardez ici, regardez bien, quand vous regardez, voilà le Niger, oh, vous ne voyez pas, d'accord. Regardez, je vous en prie, regardez bien. Alors, je vais faire ceci, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Alors, voilà le pipeline là qui vient, qui quitte au Niger, là, ça traverse, et puis ça rentre. En fait, là, quand on nous dit ça fait 2000 kilomètres, 1900, mais Lomé là, et j'ai dit le Bénin là, c'est pas les 1900 pour le Bénin, non. Il n'y a que, je sais pas combien d'eux, je ne sais pas trop, je vais vous montrer, vous allez, j'espère que, voilà, vous pouvez voir maintenant, voilà, vous voyez. La partie rouge, ce sera la partie qui sera déviée. À partir de la frontière entre le Niger et le Bénin, le pipeline va dévier carrément pour venir au port de Lomé, donc le port de Cotonou. Alors, j'ai vu un autre Burkinabé qui avait été appelé dans un débat, je crois c'était sur BFM1 Burkina. Je l'ai entendu parler. Et puis j'ai écouté aussi Serge Daniel qui disait que dans tous les cas, pour une fois, il a essayé d'être un peu optimiste. Il dit, ce sont les deux pays qui vont perdre. Mais c'est faux. Je le répète, c'est faux. D'abord, le ministre Lamine Zen, il est revenu. Il a dit, tant que il y aura des bases militaires françaises installées aux portes du Niger au Bénin, on ne va pas ouvrir nos frontières. Donc, c'est un message clair à Patrice Talon. Deuxièmement, il a dit, il y a eu, c'est vrai, c'est ce que je vous ai toujours dit, le Niger est celui qui a été le facilitateur des négociations entre l'État du Bénin et l'entreprise chinoise. Je vous explique rapidement et puis on va continuer. Parce que cette partie-là crée beaucoup de confusion et les gens, il y a beaucoup de malentendus. Tout le monde est en train de dire des bêtises. Parce que le ministre, le premier ministre Zen Lamine, il a dit quoi? Il dit, nous allons laisser l'entreprise chinoise discuter avec les autorités béninoises. Pourquoi il le dit? Parce qu'il y a une disposition clé du contrat qu'il dit que quelles que soient les situations, quelles que soient les tensions, quels que soient les problèmes qui vont opposer les deux pays, en aucun moment, le Bénin ne devra se saisir tout seul et bloquer l'exploitation du pétrole chinois. Alors, quand vous écoutez les gens pensent que les Chinois font, ils font sortir le pétrole du Bénin et puis ils vont vendre sur le marché international. J'ai dit, les gens chinois sont un peu intelligents. Non, c'est vrai que c'est une entreprise. L'entreprise, elle est gouvernementale au niveau du Niger.
L'entreprise aussi qui achète avec le Niger est une entreprise dont la grande majorité des capitaux est détenue par l'État chinois. Donc, les deux, l'entreprise nigérienne et l'entreprise chinoise, ce sont les deux qui ont signé un contrat avec l'État du Bénin. Bon, au regard des intérêts cruciaux de l'entreprise chinoise, le Niger s'est porté comme garant d'une certaine manière dans les négociations pour faciliter les négociations de sorte que les négociations État-État, c'est plus facile que État-entité privée. Mais dans les clauses, dans le contrat, il y a beaucoup de clauses qui ont été introduites pour éviter que même des tensions politiques ne puissent perturber le bon déroulement de l'exploitation et de l'exportation du pétrole. Un bon voyou, quelqu'un qui est rempli de haine, on sent qu'il prend les ordres quelque part. Alors, quand Keïta dit que l'avenir du monde se joue dans le Sahel, voilà un autre exemple. Je vous ai donné combien d'exemples aujourd'hui? Deuxième exemple. Chaque fois que je sors, s'il y a des exemples, je vais vous donner. Quand je dis que l'avenir du monde se joue dans le Sahel, c'est ici. Pendant que Emmanuel Macron reçoit Xi Jinping, le même Macron, à travers ses services, mette la pression pour que la Chine soit coincée au niveau du Bénin. Vous pouvez prendre une décision au sein de la CEDEAO contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger. Ça, c'est la CEDEAO. Ça, c'est État. Organisation. Maintenant, si vous croyez que parce que vous avez pris des décisions contre le Mali et que le Mali a saisi la Cour de justice de l'UMOA et que le Mali a gagné le procès, vous les présents voyous criminels, vous avez décidé de refuser que la décision de justice soit appliquée. La société chinoise d'abord va tenter de négocier, sachant bien que elle a les moyens de contourner, détourner, dévier et passer ailleurs qu'au Niger, ça frôlait au Bénin. Je vais vous démontrer deux ou trois petites choses en matière de business, en matière d'investissement. La décision de Patrick Talon vient d'envoyer un mauvais message à tous les opérateurs économiques, à tous les investisseurs qui souhaiteraient investir au Bénin. Patrick Talon vient d'envoyer un mauvais message. Vous savez, on dit à nos États, favoriser un climat d'investissement, harmoniser votre constitution, harmoniser les lois pour encourager les investisseurs étrangers à venir investir dans vos pays. Si vous n'avez pas le code de l'investissement, si vous ne protégez pas les investissements, les gens ne viendront pas investir chez vous. C'est pourquoi on dit que la sécurité précède les investissements. On dit l'argent a peur des bruits de botte. Patrice Talon, qui on m'a fait croire et on me sonne dans les oreilles que c'est un homme d'affaires, curieusement réussi. Alors, la question que je me pose, c'est quel genre d'affaires il a fait et puis il a réussi dans ça. Parce que tout homme d'affaires, quand Donald Trump a pris la reine de son pays, les États-Unis, il a mis en pratique sa politique en tant que visionnaire, en tant que homme d'affaires. Il a adapté et cela a créé beaucoup, beaucoup d'emplois aux États-Unis. Il a dit aux Européens, débrouillez-vous si vous ne mettez pas la main dans la poche. Les Américains vont plus continuer à payer pour votre sécurité. Il a pris en compte les intérêts vitaux de son pays. Voilà quelqu'un soi-disant homme d'affaires, investisseur, réussi. Mais curieusement, qui sait que dans le cadre de ce qu'on appelle le code de l'investissement, parce que quand vous empêchez un opérateur économique, un poids lourd comme la Chine, d'avoir accès à son pétrole à partir de votre port.
quel message vous envoyez aux autres opérateurs économiques qui seraient tentés de venir investir chez vous? À tout moment, vous pouvez vous lever par un coup de tête et dire que je ne reconnais pas votre investissement. Je ne vous reconnais pas. Et puis, c'est fini. Ce n'est pas le Niger, parce que tout le monde se focalise, pétrole du Niger, pétrole du Niger. Mais on ne se focalise pas sur le mauvais message, le signal rouge que Patrice Talon envoie aux opérateurs économiques à travers le monde, envoie à d'autres pays. Le Bénin a besoin d'investissement. Et quand on est un président voyou comme ça, ceux qui veulent investir demain, ils vont réfléchir par deux fois avant de prendre leur décision de venir investir au Bénin, au regard de l'attitude de Patrice Talon. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Chine a les moyens de contourner mieux les clauses du contrat donnent la possibilité à la Chine, c'est ce qu'on appelle rupture brutale du contrat. Alassane Ouattara a fait ça en 2011 quand il est arrivé au pouvoir. Il a cassé le contrat avec les entreprises qui avaient soumissionné aux appels d'offres de l'État de Côte d'Ivoire quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo n'a jamais donné un contrat à quelqu'un, en tout cas, sans être passé par les appels d'offres. Alassane Ouattara est arrivé. À l'époque, c'est Kaba Niali qui était ministre adjointe de l'économie et des finances, puisque Alassane Ouattara lui-même était président et ministre de l'économie et des finances. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. En 2011, quand il venait au pouvoir, Sorou Gyem était premier ministre, ministre de la Défense. Alassane Ouattara était président et ministre de l'économie et des finances. Donc, c'est lui qui gérait tout ça. Il a donné l'ordre à Kaba Niali, qui était rattaché à la présidence, de casser tous les contrats qui, lui, il a jugé utiles. Ces contrats ont été cassés et redistribués de gré à gré à sa famille. On a vu ça. Personne ne peut contester ça. Kaba Niali, si elle pense que je manque, elle porte plainte. Mais si j'ai tort, je vais la détruire toute sa vie. Je vais l'humilier. Elle ne pourra jamais se relever. Kaba Niali a fait ça. Elle a cassé le contrat. Le port d'Abidjan et bien d'autres entités. Le Bénin est au courant de ce que je dis, les grands travaux. Ils savent très bien de quoi je parle. Ce que Kaba Niali a fait, ils savent. Alors, mais l'État de Côte d'Ivoire n'a pas seulement cassé le contrat. Dans les clauses du contrat, si vous cassez, vous payez. Et là, le ministre Lamine Zen, dans sa conférence de presse, il n'est pas revenu sur les dommages et intérêts que l'État du Bénin doit payer. Et c'est là, peuple béninois, Keïta va vous dire la vérité. Vous, le président dit, on peut pas accepter. Et puis, il a parlé de secteur informé. Hé, hey, béninois, vous allez payer ça là de votre poche. Les impôts vont augmenter. Parce que quand vous cassez un contrat pareil, ce sont des centaines et des centaines de millions que vous allez restituer. Donc, l'État du Bénin va payer. Il y a un choix. Soit Patrice Talon revient sur sa décision, soit Patrice Talon, s'il veut pas aller au procès, il décide de payer les dommages et intérêts à la société chinoise. S'il veut jouer les durs, ils vont au procès, pas au Bénin. Non, non, non. Il y a ce qu'on appelle la Cour internationale d'arbitrage. Ils vont aller là-bas. La Côte d'Ivoire, le Ghana a mené la Côte d'Ivoire là-bas à deux reprises. Non, ça frôlait. C'est la Côte d'Ivoire qui a mené le Ghana là-bas à deux reprises. Et Alassane Ouattara a perdu. Et quand il a perdu, il a payé des milliards au Ghana. Donc aujourd'hui, Patrice Talon croit qu'il a joué garçon. Mais c'est, j'ai dit toujours ça, là, ce sont des petits blancs en politique. Ils ne connaissent rien. Il va payer les dommages. Et là, depuis tout le monde parle, les gens, les vrais connaisseurs savent que j'ose Patrice Talon, qu'ils savent très bien que le Bénin va payer. Mais comme ce n'est pas l'argent de Patrice Talon, et il s'en fout, c'est l'État du Bénin qui va payer. Mais j'interpelle maintenant les autorités béninoises, les députés béninois. Hey,
parlez à votre président. Sinon, vous allez payer quelque chose pour laquelle vous ne comprenez pas grand-chose. Si les Chinois décident de vous attaquer en justice, ce qu'ils vont réclamer de vous sera 3 fois, 4 fois supérieur que ce que vous allez payer si ça vient de vous-même. Ça, c'est une certitude absolue. Parce que c'est vous qui avez bloqué, c'est vous. Et le problème, c'est quoi? J'ai pas fini. Dans ce cas de situation, tous les jours que le pétrole ne sort pas, les pertes enregistrées par l'entreprise, l'État du Bénin va payer. C'est-à-dire depuis le jour où Patrice Talon a pris cette décision, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Parce que si l'État du Bénin refuse de payer, la juridiction internationale a d'autres moyens pour obliger le Bénin à payer. Il y aura saisi des avoirs de l'État du Bénin dans le monde. Le Bénin, d'une manière ou d'une autre, le Bénin va payer, soyez certain. Patrice Talon peut faire la grande gueule, il va payer. On a vu Alassane Ouattara qui a fait la grande gueule. Il s'est caché en douce avec le Malien congolais, là, ou lui aussi s'appelle Oumar Diawara. Mais l'État de Côte d'Ivoire a payé, c'est que, parce que la juridiction internationale a tranché. Alors, pour éviter, parce qu'on avait commencé à cibler les avions Air Côte d'Ivoire en Afrique, le monsieur dit il veut son argent. Et finalement, il y a eu un arrangement entre Alassane Ouattara et le monsieur. Le ministère de l'économie et des finances et le monsieur, ils ont réglé ça en bas, sans que ça ne fasse du bruit. Et on veut nous faire croire qu'Alassane Ouattara a payé Diawara là. Parce que la dernière saisie de l'avion, la justice dit qu'ils vont pas libérer l'avion tant que l'État de Côte d'Ivoire ne va pas s'engager à payer. Donc l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé et a donné un numéro de compte d'opération où chaque fois que l'échéance arrive, automatiquement, il y a un virement qui est fait dans le compte du monsieur. Donc l'État de Côte d'Ivoire, la juridiction internationale, vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas échapper. Donc, cette interruption brutale du contrat, comme l'a dit le ministre Zen, c'est un homme très avisé, très intelligent, très réfléchi. Il dit qu'il va laisser la société dans un premier temps gérer avec l'État du Bénin. Ça veut dire que la société doit présenter toutes les clauses du contrat à l'État du Bénin. Si malgré tout, l'État du Bénin, c'est-à-dire Patrice Talon, ne veut pas changer de posture, alors l'entreprise et l'État du Niger vont porter plainte devant les juridictions internationales qui vont obliger soit que le Bénin ouvre ses frontières pour que le pétrole passe, soit le Bénin garde ses frontières payées, le Bénin va payer dommages et intérêts et à l'État du Niger, et à l'État de la Chine, et à la société chinoise. Parce que ça, là, il faut qu'on vous l'explique. Les gens ne vous l'expliquent pas. Eh bien, vous, c'est faux. Alors, la deuxième partie, ce sera Assimi Goïta. On va prendre une toute petite pause avec notre produit d'AMSA et puis on va continuer. Professionnel, au ticket Ganza, ni comment que, côté donc, frein, banana qui fera colo fan, fait,
abe do ka sama ka bo farako la e ki la fi aka ke ina fo e bolo choko damsa fura la ki ka do o ko fe anye sega sega le ke fura wera ola keren keren era ina fo debeti ani tension ka antege da abana ki sa ere ere ka wala sa anga sega mo na fani ai ko fara damsa ko inga ne ala sona ma anga sega mo bo o ka de ngo no e ko ne ngo o ma mu yura ka ja e sona fo ke aka telefone numero biso e mi e palma ke aka ne ka tu sira o besro o to dore i mo go bala amana ke mu ni fura ko ni fo ata si mo go re ma e bi se ka sona fo ke ka ire wule 75 01 63 95 walma 66 11 78 49 no ka gele mama e bi se ki se fa biri biri kata mu e jangle bu bu bon fan train ire kre fla la e jama sona fo ke ni ngali ke mama la pela jeli ma ro ila alors il s'agit évidemment avant de continuer avec notre décryptage, notre analyse sur la situation politique, parce qu'on a beaucoup à dire, c'est la pause publicitaire pour parler de nos produits d'AMSA. Alors, ces temps-ci, je vois que, d'abord, je remercie Allah, je remercie l'Éternel, et je remercie chacun de vous, où que vous soyez, pour l'intérêt que vous portez à ce traitement. Dieu merci. Et je vous en suis infiniment reconnaissant. Mais en même temps, vous savez, je vais expliquer un petit système, une astuce. Ça dit souvent, les gens viennent et puis commencent à égrener tout un chapelet de pathologies, d'infections, en un mot de maladies. Je vais vous dire quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire que ceux qui ont la chance d'échanger avec moi, je leur dis toujours, on peut pas vous facturer pour toutes ces maladies-là, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Et d'ailleurs, ce n'est pas utile. Vous allez trouver que c'est une ou deux maladies qui sont à l'origine de tout ce que vous avez cité. Alors, souvent, la question que je pose, remontez à l'origine, c'est-à-dire faites l'historique de votre état de santé pour qu'on puisse vous aider. Les gens, bien, ils vont citer, souvent, ils ne se rendent pas compte que le diabète peut influer sur la visibilité, c'est-à-dire sur les nerfs optiques. Donc, ils vont dire, j'ai diabète, je vois flou, mais alors que, en traitant correctement le diabète, il y a une très grande probabilité, une très grande possibilité que la vue soit rectifiée. Hein? Souvent, c'est la même chose. Les gens, ils citent, mais en réalité, quand vous regardez, vous n'avez que un seul ou deux. Enfin, les gens peuvent témoigner très souvent. Vous voyez, quand vous me contactez, vous voyez que je fais le tri à part. Je mets telle ou telle maladie. Voilà le traitement qui va avec. Telle ou telle maladie. Voilà le traitement qui va avec. Et puis, je vous fais les propositions. Voilà. Rarement, je prends ça. Je le fais pas. Je regarde quel est le traitement qui est approprié à tel ou tel ou tel. Souvent, les gens vont vous citer jusqu'à 5, 6 maladies. Je dis, bon. Et quand vous regardez, vous dites, attends, la combinaison de deux produits seulement suffisent pour vous guérir de toutes ces maladies. Et très souvent, comme je le dis, c'est la qualité, c'est pas la quantité. C'est la qualité, c'est pas la quantité. Et souvent, quand vous facturez, les gens, ils disent, ah, Keita, tu as sauté ça là. Je dis, je n'ai pas sauté. Très souvent, vous qui avez des problèmes de vue, problèmes de choses, vous voyez que quand il y a la tension, le diabète, tout de suite, je me focalise plus sur le diabète. Je dis, en traitant correctement le diabète, vous allez avoir des résultats. Et au niveau de votre performance, c'est-à-dire la libido au niveau des hommes, si le diabète est traité correctement, si l'hypertension est traitée correctement, si, comme on appelle, la prostate est traitée correctement, si l'insuffisance rénale est traitée correctement, vous n'allez pas avoir ces irrégularités ou ces mollesses ou ces faiblesses au niveau des hommes, je veux dire. Voilà. La femme aussi, c'est la même chose. Souvent, les trompes bouchées, les infections vaginales au niveau de l'utérus, tout ça. Quand vous traitez correctement avec une combinaison de deux produits seulement, ça suffit pour vous mettre au top. Et très généralement, c'est rare même que je donne trois ou quatre combinaisons. C'est deux combinaisons très souvent. Donc, quel que soit la gravité, à moins que Allah même décide autrement, hein, n'attendez pas. Je fais une petite pause. Il y a
Aujourd'hui encore, 3 à 4 à peu près, les personnes qui viennent avec des... Je comprends que vous vouliez que Keïta vous réponde. Je comprends que vous avez des préoccupations sanitaires. Je comprends que vous voulez tout ce qui est répondu. Mais je vais vous demander tous les jours, je le dis, je ne cesserai de le dire, soyez indulgents. Par exemple, vous ne pouvez pas imaginer que Keïta est là assis. C'est vous, votre seul message que Keïta attend. Est-ce que vous avez une idée du nombre de messages que je reçois ici? Vous n'avez même pas une idée. Souvent, mon fils, il vient me trouver, il a dit, papa, arrête comme ça. Allons dans la chambre, tu as tes reposés, tu as tout couché. Chaque fois, quand je suis bien, c'est ce qu'il me dit. Quand il dit, papa, tu travailles trop, allons dans la chambre. Mais je ferai des fois, mais malheureusement, les gens, ils viennent avec des attitudes, je dis, mais si vous laissez un message que j'ai pas répondu, ne laissez pas le message comme ça. Un jour, 2 jours, envoyez encore. Parce que WhatsApp a un système. Le premier message, c'est celui qui se trouve au dernier en bas. Le dernier message, c'est celui qui se trouve en première position. Est-ce que ça, c'est la faute de Keïta? Si, par exemple, je regarde jusqu'à 100 messages, et puis je suis fatigué, quand je m'arrête et puis je vais me coucher, je me réveille le matin, peut-être qu'il y a 200 autres messages. Donc, vous, là, c'est en bas, forcément, je ne peux pas vous voir. Alors, comme je n'aime pas que quelqu'un de touche à mon téléphone, parce que c'est mon outil de travail, donc je suis le seul à manipuler mon téléphone. Et vous, la façon de m'aider, c'est chaque fois de relancer, mais pas avec des mots, des trucs si comme bon. C'est souvent, c'est pas, ah, ça fait longtemps, j'ai dit, pourquoi tu ne peux pas me répondre? Pourquoi tu ne peux pas me répondre? Je comprends, je veux répondre, mais vous aussi, soyez indulgents, compréhensifs, tolérants, parce que vous n'êtes pas les seuls, il y a beaucoup de personnes. Hein? Et puis surtout aussi ceux qui ont déjà passé leur commande, qui ont reçu leur produit, soyez indulgents. Quand on vous donne la posologie, commencez votre traitement. Donnez le temps à Keïta aussi de s'occuper d'autres personnes. Mais vous recevez vos produits à chaque 5 secondes, vous allez envoyer et vous perturbez la chaîne d'approvisionnement par rapport à ceux qui sont dans le besoin. Vous avez déjà une solution, vous avez le traitement. Maintenant, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ça c'est tout à fait normal. Mais laissez les autres, hein, pouvoir eux aussi passer convenablement leur commande. Donc, quelle que soit la drépanocytose, diabète en type 1, type 2, l'hypertension artérielle, ulcère d'estomac, ulcère gastrique, les trompes bouchées, vous avez les fibromes et les kystes, vous avez l'insuffisance rénale ou le cancer rénal, vous avez l'insuffisance cardiaque ou cancer cardiaque, vous avez la pneumonie, c'est-à-dire la tuberculose, vous avez ou toute autre infection virale, quelle que soit la nature, vous avez l'hernie discale, des douleurs neuromusculaires, vous avez des difficultés pour respirer, des bouffées d'oxygène, vous respirez péniblement, vous avez aussi ces migraines incessantes, ces maux de tête qui n'en finissent pas, ces difficultés, ces courbatures, cette fatigue générale que vous ne comprenez pas, vous êtes là, vous n'êtes pas focalisé, vous avez un manque de concentration, vous êtes véritablement fatigué, vous ne pouvez pas vous reposer, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Le premier élément que je vous propose d'abord, si vous, en dehors des pathologies, diabète ou ces autres, c'est le 12, qui joue un très grand rôle dans tout ce que nous faisons. Ce qui fait que même quand les gens ne commandent pas le 12, qu'est-ce que j'ai besoin de ça et ça, très souvent, en faisant en mettant en place vos commandes, je fais tout, tout, et Dieu m'est témoin, je fais tout pour mettre du 12 dedans, parce que je connais l'efficacité et la force. Je vais m'arrêter encore pour faire une petite pause. Vous savez, je vais le définir ici. Vous savez, les produits, j'ai fait une expérience personnelle. Pour ceux qui ont déjà les produits, qui commencent déjà, vous qui avez déjà les produits, je voudrais que vous écoutiez très bien ce que je vous dis. Il y a une expérience que j'ai faite personnellement et j'ai trouvé qu'elle est très efficace. Alors, voilà ce que vous allez faire. Quand vous prenez le dosage, c'est la cuillère à café, hein, de votre poudre de Damsa, que vous devez diluer, hein, que ce soit 1 litre d'eau, 1 demi-litre d'eau ou dans un bol à café. Tout de suite, quand vous le faites, n'allez pas poser sur le gaz. Non, non, ne faites pas ça.
C'est une expérience personnelle que j'ai faite et je me suis rendu compte que il y a beaucoup d'éléments importants que nous perdons. Donc, j'ai fait une expérience, j'ai mélangé, j'ai pris mon damsa, j'ai dilué dans de l'eau et puis j'ai laissé là au moins pendant un jour, presque une demi-journée. Une demi-journée, à peu près 12 heures. J'ai mis le matin, j'ai laissé jusqu'au soir. Mais vous n'avez pas une idée de ce que cela fait. Tous les éléments nutritifs, tous les éléments dont vous avez besoin, parce que les 10 minutes, j'étais là, puis je réfléchis, j'ai longuement réfléchi, je me posais la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça permettra de recueillir tous les éléments dont on a besoin du produit? Et même les produits qu'on vous donne, nous-mêmes, on a sous-estimé les valeurs de nos produits. Mais le système que je vous montre, si vous le faites, vous allez voir une autre dimension du traitement que peut-être je n'ai même pas expliqué, peut-être que je ne connais même pas. Vous mettez votre produit dans un bocal, vous prenez votre dosage tel que indiqué, vous le mettez dans de l'eau, et puis vous attendez au moins, vous pouvez faire le matin, si vous allez au travail, vous allez au travail. Le soir, quand vous revenez maintenant, vous pouvez mettre sur votre gaz pendant 5 minutes seulement, pas plus. Pas plus. Le résultat que vous allez obtenir va vous dépasser. Vous allez voir même que le goût même du produit risque de changer un peu. Parce que là, tous les éléments sont extraits. Et quand vous buvez ça, bon, on n'aime pas trop parler. J'ai fait l'expérience et je vous jure que c'est formidable, c'est intéressant. Alors donc, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les pathologies, venez toujours avec des messages précis et brefs. Vraiment souvent, je vois les gens font un journal et c'est trop long, on ne peut pas finir de lire tout ça. C'est normal de rentrer dans l'historique, c'est une bonne chose, mais faites-le de façon vraiment précise et brève. Alors donc, que ce soit le cancer, que ce soit, je dis bien le cancer, quel que soit le type de cancer, quel que soit le cancer, je le répète, quel que soit le cancer, quel que soit le diabète, l'hypertension, le VIH-Sida, je dis bien le VIH-Sida, vous nous contactez, je suis au 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88, et puis en même temps, n'oubliez pas, le 12, il est bon, il est efficace, il est pratiquement dans tous nos produits, le 14, ça ce sont des maladies que vous appelez chroniques, inguérissables, compliquées, difficiles. Le 12S, ça c'est par rapport au VIH-Sida et à l'anémie. Souvent les gens viennent et disent, Keita, j'ai besoin de 12S. Ils disent, mais pourquoi tu as besoin de 12S? Parce qu'il faut me dire pourquoi tu veux le 12S. C'est vrai que c'est ton argent, mais il faut me dire pourquoi tu veux le 12S. Il y a des gens qui ont vu que je leur ai refusé des produits. Pas que c'est méchant, je dis, non, tu n'as pas besoin de ça. Voilà ce dont tu as besoin. Il y a des gens qui sont venus, ils veulent acheter 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit non. Il faut être, c'est vrai qu'on cherche l'argent. C'est vrai qu'on soigne les gens, mais il faut le faire dans la manière. Il faut pas le faire n'importe comment, dans un désordre, dans une cacophonie. Ce dont vous avez besoin, c'est ce que je vous dis. Maintenant, si vous dites, je veux ça en supplément, il n'y a pas de problème. Donc, quelle que soit la nature, on a le dodo, évidemment, pour le moment, toutes les commandes qui sont là, qui sont par, enfin, les dernières commandes, toutes les commandes qui vont maintenant, en fonction de la commande des uns et des autres, si je dis pas toutes les commandes, mais en fonction de certaines commandes, le dodo est toujours, quand je mets dodo, je mets bonus. Dodo, j'écris bonus. Voilà. Donc, actuellement, le dodo aussi, il est en bonus pour beaucoup de personnes, en fonction des commandes que vous faites. Voilà. Alors. On va reprendre. Le mouvement Bicor, ouais. On va pas oublier Fatmata Batulinian de la grande dame. Ravissante, charmante, un cœur d'or, impeccable, elle continue toujours ses œuvres sociales, aider, soutenir, accompagner la transition. Ce sont les mots en lettres d'or gravés sur le cœur de Fatmata Batili pour aider, soutenir nos autorités et accompagner nos populations. Aujourd'hui, tout le monde est unanime, il y a des difficultés à tous les niveaux. Mais cette dame-là, elle dit, mon argent, c'est votre argent. Ensemble, nous allons voir comment on peut se soutenir et faire en sorte que le Mali soit envié des autres. Merci infiniment à Fatmata Batili et à tout ce qu'elle fait. Alors, quand nous revenons, par exemple, ici, c'est grave.
C'est grave, ce que je vous fais écouter, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Je vous ai fait écouter le RTM. Alors, la Russie est en train de, il y a, oh, oh, non, attendez, ça c'est le ministre Abdoulaye Diop. On va le laisser. On va revenir après. Il y a un élément que je vais vous faire écouter. Il y a un élément qui me semble important. On va écouter ça. Entraîné dans un lieu situé au quartier Petit Paris de la ville de Bobo-Dioulasso. Mm-hmm. Tenez d'Iraïma Ouattara,
dit Lafiole, alias Pétoman, croyait-là détenir une information immaculée et irréfutable. Il pensait pouvoir ainsi confondre ses interlocuteurs. Il faut avouer que le ton assuré qu'avait pris le ministre de la Défense ivoirienne pour exposer le sujet était tellement limpide que son homologue burkinabé lui-même a été un temps déstabilisé par la clarté de l'exposé. Il a quasiment poussé un cri de soulagement quand il a pris connaissance du lieu où seraient encadrés les 10 soldats ivoiriens. À la vérité, il n'en est rien. La vérité est que le Burkina Faso, pour faire face au terrorisme qui sévit dans ce pays, a décidé de recruter des doudous ou chasseurs traditionnels pour participer à la défense de la nation. Environ 1000 doudous et autres jeunes ont été mobilisés et sont entraînés actuellement au quartier Petit Paris de Bobo Dioulasso. Tous les Bobolais le savent. Ce n'est un secret pour personne, sauf pour Alassane Ouattara, qui y voit des déserteurs ivoiriens. Le ministre burkinabé de la Défense, M. Kassoum Koulibaly, s'est rendu compte que le prétendu rapport incriminant de la Côte d'Ivoire n'était en réalité qu'un chiffon de mensonges. Il constata que son homologue ivoirien n'avait aucune information valable et que peut-être a-t-il voulu prêcher le faux pour avoir le vrai. Mystère. Toujours est-il que de retour à Abidjan, Tene Biraïma Ouattara Di Lafiole, alias le Pétoman, s'est empressé de tenir une réunion au cours de laquelle il a fait savoir qu'il n'y avait rien à attendre de la partie burkinabé. Il ajouta qu'il fallait coûte que coûte renverser le régime militaire du Faso. Autrement, c'est à leur propre chute qu'ils seraient confrontés. Les nombres... Donc, depuis le palais présidentiel d'Abidjan, on programme la déstabilisation, voire la chute du régime d'Ibrahim. Je vous ai toujours dit, quand vous vous attaquez à un État du Sahel, c'est tout le Sahel qui est visé. Et je le dis, merci beaucoup pour... En fait, j'ai acheté ce truc-là. Lui, il est nouveau, il n'était pas chargé à bloc. Donc, je voulais juste tester. Et puis, je crois que c'était... Bon, c'est pas un souci. Ben, Dieu merci, j'ai vu à temps. Hein, j'espère que j'ai pas trop mis du temps pour rectifier le son. Alors, donc, pourquoi un pays veut se croire supérieur et au-dessus des autres et prétendre imposer sa dynamique aux autres? Mais, suivant Christian Puy. Nombreuses tentatives de coup d'État contre le capitaine Traoré ayant toutes échoué, ils se sont donc convaincus que la meilleure solution serait d'assassiner le commandant Oumarou Yabré, qui serait à leur dire le véritable bouclier du régime du Burkina Faso. L'occasion faisant le larron, écoutez bien, la 12e réunion internationale des hauts représentants pour les affaires de sécurité en Russie était une aubaine. Tene Biraïma Ouattara a donc sauté sur l'opportunité d'y envoyer le préfet Traoré Fassirikip. Là où mon jeune frère Chris Yapi, il est brillant enquêteur, c'est un alerteur chevronné, mais là où par moment, je le dis mon jeune frère, laisse à Keïta la compétence de faire des analyses, de rapprocher les événements dans une sorte de moule géopolitique pour que chacun comprenne bien. Pourquoi tenter d'éliminer le patron du renseignement en Russie? Si cela s'avérait, on saurait tout de suite que l'empoisonnement a été fait en Russie. Et cela, c'est là où Christian Pi, encore, je le dis, qu'il laisse à Keïta le soin de faire des analyses. Et là, Poutine sera accusé d'avoir empoisonné un responsable du renseignement africain. Et on va monter toutes sortes de narratifs pour indexer la Russie, créer une situation inconfortable entre le Sahel et la Russie. Mettre un coup de pédale, un coup de frein sur la dynamique relationnelle entre la Fédération de Russie et les pays de l'Alliance du Sahel, puisqu'on dira que c'est en Russie que le patron du renseignement du Burkina Faso a été empoisonné.
que diront les renseignements du Mali et du Niger? Allez-y comprendre quelque chose. On pense qu'il est bête, ce Tere Brema. Il n'est pas aussi bête que ça. Mais si on dit qu'il est satanique, criminel, radin, assassin, je dirais oui. Mais qu'il est bête, totalement bête, au point de ne pas savoir ce qu'il fait, je dis non. Parce que vouloir créer une telle situation, un tel incident international sur le plan diplomatique, entre des partenaires fiables, ça, mais regardez, ce que je dis, est-ce que ça a un sens? Keïta, oh, tu exagères toi aussi. Ok, Keïta se tait. Chef des services de renseignement de la présidence ivoirienne, pour procéder à une opération d'empoisonnement au polonium, dit-lui, ce qu'il faut savoir, c'est que le polonium est un vrai poison. En cas d'intoxication importante au polonium, il crée et provoque un syndrome d'irradiation aiguë, associant nausées, vomissements, perte de cheveux et perte des défenses immunitaires. Il occasionne donc progressivement la mort, comme cela a été le cas en novembre 2006 chez l'ancien espion russe Alexander Livinenko, mort dans un hôpital britannique. Malgré les soins intensifs des plus grands spécialistes anglais, rien n'y fit. C'est donc ce scénario qui avait été mis en place pour liquider le commandant Oumarou Yabri. Heureusement... Donc, un ancien espion russe, empoisonné au polonium dilué, tout le monde, vous avez entendu le tollé général sur les plateformes, les réseaux, les télévisions occidentales, tout le monde, vous avez même vu l'Angleterre qui a même menacé la Russie d'avoir empoisonné le gars. Je crois sa fille et lui, j'ai suivi un peu cette histoire. Donc, en faisant ça en Russie, on va ressusciter l'affaire de l'espion russe. C'est la pratique de la Russie de liquider les patrons dans le monde du renseignement. Et tenez Brema, si vous croyez qu'il est bête, réveillez-vous encore. Les hiboux de Chris Yabi ont pu intercepter l'information, me permettant de faire une alerte urgente, de sorte que, quand le préfet Traoré Vassiriki s'est présenté en Russie, il a eu de graves problèmes. Ah. Alertés eux aussi, les Russes n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ont copieusement fouillé l'apprenti fioleur. Un de ses bagages a disparu. On peut penser que c'est celui qui contenait le poison. Mais deuxième fait le plus remarquable, c'est que le préfet Traoré Vassiriki s'est retrouvé comme un pestiféré. Toutes les délégations de l'AES le fuyaient. Il n'a donc pas pu rencontrer le commandant Oumarou Yabri, qui, mis en garde par ses propres amis, a soigneusement évité de croiser le marchand ivoirien de la mort. Chris Yabi se réjouit que les autorités militaires aient reçu ces alertes avec intérêt. Alors, voilà celui qui prétend être un véritable président, un démocrate, celui qui se soucie des valeurs humaines, mais il ne se gêne pas à ôter les vies, il ne se gêne pas à créer un déséquilibre social tellement profond que les Ivoiriens eux-mêmes ont de la peine à se retrouver. Donc, on voulait liquider le renseignement du patron, le patron du renseignement burkinabé qui était en Russie. On voulait le liquider. Mais ce n'est pas seulement le liquider, parce que je veux bien savoir, on dit que le Burkina héberge 50 militaires qui ont déserté l'armée de Côte d'Ivoire et qui veulent attaquer la République. Mais avec tous les moyens que la Côte d'Ivoire a, avec tous les équipements militaires que vous avez achetés, avec les formations diverses auxquelles les soldats ivoiriens, les militaires sont soumis dans différents pays, avec l'investissement massif dans l'achat de logiciels de renseignement, comment la Côte d'Ivoire peut craindre seulement 50 déserteurs si réellement c'est le cas? Alors, si la Côte d'Ivoire craint tant 50 déserteurs, c'est que la Côte d'Ivoire est un géant au pied d'argile. C'est que la Côte d'Ivoire
est une maison bâtie sur du sable au bord de l'eau. C'est que la Côte d'Ivoire n'est pas ce qu'on prétend. C'est de l'illusion qu'on vend aux Ivoiriens. Si 50 déserteurs peuvent faire vaciller une armée soi-disant professionnelle comme l'armée de Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un sérieux problème. Maintenant, si nous acceptons même le principe que cela existe, c'est le retour du karma. Alassane Ouattara, la rébellion, vous n'avez qu'à écouter Kone Zakaria. La rébellion a été hébergée par Blaise Compaoré, entretenue et nourrie au Burkina Faso par les soins d'Alassane Ouattara. C'est cette rébellion qui s'est attaquée au président Kourou Laurent Gbagbo le 22 septembre, je crois, c'est ça, non? La date de la rébellion en Côte d'Ivoire, en 2002, 19 septembre, pardon, le 19 septembre 2002. Mais avant, en 2021, il y a eu une première tentative. En 2000, il y a eu, ça fallait de 2021, 2001. D'abord, il y a eu, à ma connaissance, trois. En 2000, il y a eu une tentative qui a avorté. En 2001, il y a eu une autre tentative qui a avorté. C'est en 2002, 19 septembre 2002, qu'on a assisté à cette montée en puissance. Alors, mais c'est Alassane Ouattara qui était à la base de tout ça. Laurent Gbagbo l'a dit. Il a dit à Beauville. Il a dit le samedi, je crois, dernier à l'hôtel Sofitel, lors de son investiture comme candidat, il a dit. Alors, voilà un président, voilà un régime, voilà un pouvoir qui se dit, on a investi, on a transformé la Côte d'Ivoire, on a travaillé. Mais pourquoi inscrire le nom d'une seule personne vous fait tellement peur? Vous dites que Alassane Ouattara est votre candidat naturel. Mais Laurent Gbagbo aussi est candidat naturel d'autres Ivoiriens. Vous n'allez pas décider à la place d'autres Ivoiriens. Il a le droit d'être candidat. Soro Guillaume a le droit d'être candidat. Quiconque qui remplit les conditions. Ou vous arrêtez Laurent Gbagbo, vous le mettez en prison parce qu'il a cassé la banque. Ou vous le laissez être candidat parce qu'il jouit de tous ses droits civiques et constitutionnels. Mais vous ne pouvez pas prétendre. Alors, pendant combien de temps ce manège-là, ce cirque, cette bêtise, cette immoralité humaine, pendant combien de temps ça va perdurer? J'ai écouté un petit truc de Yassigbe Yadema, pas celui-là, son père, le président Faure Yassigbe lui-même. On peut tromper le peuple une fois. On ne pourra pas tromper le peuple tout le temps. Pendant combien de temps Alassane Ouattara croit qu'il va museler le peuple? Pendant combien de temps vous allez embrigader le peuple? Pendant combien de temps vous allez baïonner le peuple? Pendant combien de temps vous allez empêcher le peuple? Ce sera pour une fois, deux fois, trois fois maximum, mais pas pour l'éternité. Un jour, le peuple dira, j'en ai marre, et j'en ai marre. Alors, on fait des arrestations. Le monsieur qu'on a libéré la dernière fois, qu'on a arrêté le dimanche passé, le lieutenant Yawa, mais son arrestation est liée à cette soi-disant de présence de 50 militaires déserteurs au Burkina. On s'est dit que ceux qui ont déserté l'armée de Côte d'Ivoire sont repartis entre le Burkina et le Mali. Et que Assimi Goïta ou le capitaine, ils savent très bien que c'est parce que des déserteurs ne peuvent pas entrer dans un pays, se retrouver dans un camp d'entraînement et de formation et que le président de ce pays ne soit pas au courant. C'est quand même un... Alors donc, ils se disent que si ces déserteurs-là sont éparpillés entre la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Pourquoi ces trois pays? Il peut y avoir des bases de repli en Côte d'Ivoire. Ça, c'est selon eux. Il peut y avoir des éléments désertés au Mali. Ça, c'est selon eux. Il peut y avoir des éléments désertés aussi au lieutenant Bawa. Merci beaucoup. Donc, il peut y avoir des déserteurs. Donc, selon leur entendement, parce que j'ai vu que Jeune Afrique se livre vraiment à un jeu perfide et très dangereux. Donc, on essaie de faire des simulations
On est comme on dit souvent, on prêche le faux pour avoir le vrai. Donc, on veut nous faire croire que ces gens-là sont au Burkina, ils sont au Mali, et il y en a encore à l'intérieur même des forces armées de Côte d'Ivoire. À l'époque de Fouille, c'était les FANCI, hein, Force Armée Nationale de Côte d'Ivoire. Mais avec Alassane Ouattara, c'est FANCI, Force Armée de Côte d'Ivoire. Il a enlevé le N, parce qu'il ne veut rien qui ressemble à Fouille. Il veut faire tout, il a envoyé FRCI, on a vu ce que ça donnait. Il vient mener FANCI, on regarde encore. Mais FANCI, ce n'est pas que seulement FANCI, FANCI aussi, c'est le fonds qu'il a mis en place avec sa femme pour détourner l'argent des Ivoiriens, prétendant donner aux femmes comme fonds de commerce. FANCI ou bien FANCI, quelque chose comme ça aussi, avec Dominique Ouattara. Alors, donc aujourd'hui, nous, on nous accuse. Alassane Ouattara dit, le Mali est jaloux de mes performances économiques. Le Burkina est jaloux de mes performances économiques. Le Niger est jaloux de notre performance économique. Et Alassane Ouattara demande deux soutiens de poids. Mais en demandant ces deux soutiens de poids, il s'agit des États-Unis, il s'agit de la France. Mais il leur dit, je suis le seul qui peut encore garantir vos intérêts. Et pour que moi je puisse veiller sur vos intérêts, il faut que je sois au pouvoir. Et si je suis au pouvoir, que mon pouvoir est menacé ou déstabilisé, vos intérêts seront menacés et déstabilisés. Donc, non seulement vous devez soutenir ma candidature pour un quatrième mandat, mieux, vous devez m'aider pour déstabiliser ces pays-là, sinon ce sont ces pays-là qui vont me déstabiliser. Et déstabiliser, vous aussi, vos intérêts seront déstabilisés. Donc voilà comment les Américains, malgré qu'ils disent qu'ils aient des moyens colossaux pour leur renseignement, ils disent, mais cet idiot de président, il n'a pas totalement tort. La France dit, mais cette merde, j'ai pas le choix que de faire, que d'accepter ce qu'il me demande. Parce que le Sénégal veut s'envoler. Le Togo commence à donner des signes de retrait. C'est pourquoi le Bénin joue le gros bras, parce que le Bénin veut jouer celui qui peut porter le flambeau, le porte-flambeau de la France-Afrique. Puisque Patrice Talon pense que Alassane Ouattara a déjà échoué. Et lui, il a encore la possibilité avec lui, comme il a la grande gueule mielleuse, il croit qu'il peut embobiner tout le monde. C'est le danger que nous vivons et c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Alors, on va, Inch'Allah, se retrouver pour une prochaine fois, mais n'oubliez pas de faire des prières pour le mouvement Ambikor et Fatmata Batulu Niang, qui continue de faire son travail, qui continue de soutenir les Maliens, qui continue d'accompagner les Maliens, qui continue d'œuvrer pour le bien-être du peuple malien, qui continue d'installer des pompes villageoises, des mini châteaux d'eau, des lampadaires, qui réhabilite tant bien que mal des bâtisses aussi bien de l'administration, et elle apporte son soutien en accompagnant, n'est-ce pas, les familles qui sont économiquement démunies, économiquement faibles, et les personnes vulnérables. Donc merci beaucoup à cette grande dame, à cette dame charismatique, à cette dame qui fait honneur à la République, cette philanthrope de grande marque, de grande qualité. Merci à toi, Fatmata Batulu, pour tout le travail extraordinaire, excellent que tu fais pour le Mali. Merci à vous. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Omar Keïta et ma page YouTube Keïta Cheikh Omar. N'oubliez surtout pas nos produits d'AMSA pour ceux qui sont malades, quelle que soit la nature, quelle que soit l'infection, quel que soit le type de diabète, quel que soit le type de cancer, quelle que soit la nature de votre hypertension, quel que soit le type d'infection rénale ou cancer, infection cardiaque ou cancer, quelle que soit la pathologie au niveau de votre système, on peut vous aider. Vous n'avez qu'à me contacter. C'est Keïta Cheikh Omar. C'est le 223 72 77 47 88. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. On garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.